quoi tu អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមរការនិងរដ្ឋវិធានការជូនទៅតំណាងសាភិញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Monsieur le Président, je crois que Madame le témoin n'a pas encore son casque sur la tête. Peut-être qu'il faudrait lui demander. Merci. Merci. Bon après-midi, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi, Madame le témoin. Nous allons poursuivre avec quelques autres questions cet après-midi. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre ancien chef, le ministre de l'Information et de la Propagande, Monsieur Hu Nim? ប្រធានរបស់លោកស្រីនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ដែរចាខ្ញុំហត់ដឹងដែរដឹងពីរឿងអ្វីបានគេយកគាត់ទៅ Je voudrais, Monsieur le Président, pouvoir donner lecture du procès-verbal d'audition du témoin E3-43 concernant ce qui est arrivé à Hu Nim. Il s'agit en khmer de la page 5, l'IRN 00-35-72-21. En français de la page 4, à l'IRN 00402992, et en anglais à la page 5, IRN 00-36-5660. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, si on peut projeter cette page 5 en khmer sur l'écran. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs des juges d'instruction, Madame le témoin. Vous avez dit ceci. Je cite, Hu Nim a été arrêté en 1977, après que j'ai quitté Corps 8. Et un peu plus loin, vous avez dit, Sao a été arrêté en 1977, c'est-à-dire après l'arrestation de Hu Nim. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Madame le témoin, sur ce qui est arrivé à Hu Nim? D'accord, merci. À l'époque, comment avez-vous appris l'arrestation de Hu Nim et puis celle de Sao? Et vous souvenez-vous précisément de qui, parmi ces autres personnes, ont prononcé, ont donné des détails ou ont dit que Hu Nim et Sao avaient été arrêtés? Pourriez-vous donner des noms et être plus précise concernant les personnes qui ont parlé de cela?
ពេលនោះប្តីខ្ញុំគាត់ទៅសាកសួរខ្ញុំថាគេចាប់ពូនឹងនឹងសៅពេលពួកខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយហើយថាគាត់នឹងឆ្លើយដាក់ខ្ញុំក៏បានមកសួរចម្លើយខ្ញុំថាពូនឹងនឹងសៅនឹងបានធ្លាប់អប់រំខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខ្ញុំនឹងក៏ឆ្លើយថាបណ្ដាលអប់រំអីទេធ្លាប់តែខំឲ្យខំប្រឹងធ្វើការបម្រើជាតិតែប៉ុណ្ណឹងឯង Merci. Et est-ce que votre mari vous a interrogé à plusieurs reprises concernant vos relations avec Hunim et Sao? Est-ce qu'il a commencé à vous interroger à propos de l'arrestation de Hunim ou de vos relations avec Hunim et Sao longtemps après leur arrestation? Ou bien c'était juste après? Et lorsqu'il vous a parlé de cette arrestation, est-ce qu'il vous a dit de quoi Hunim et Sao étaient accusés? Est-ce qu'à l'époque vous saviez ce que cela voulait dire être agent de la CIA sous le Kampuchea démocratique? Donc est-ce qu'être agent de la CIA ou CIA, c'était être un traître ou être un ennemi au régime? Tout à l'heure, vous avez dit que votre mari avait rapporté le fait que vous aviez été dénoncé. Comment votre mari savait-il que vous aviez été dénoncé? Et par qui aviez-vous été dénoncé? Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'à l'occasion de ces trois ou quatre conversations, ou en tout cas les questions auxquelles votre mari vous avait soumis, est-ce qu'il a jamais parlé d'aveu?
Merci. Selon ce que vous avez appris à l'époque, est-ce que quelqu'un est intervenu en votre faveur concernant ces liens supposés ou réels entre vous-même qui aviez travaillé pour Hunim et Sao? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour empêcher que vous soyez arrêté? Selon vos connaissances, qu'arrivait-il aux personnes qui étaient emmenées de la sorte à la suite de dénonciations? Est-ce que lorsque votre mari vous a posé toutes ces questions concernant Hunim et Sao, est-ce qu'il agissait en tant que mari ou en tant ou dans le cadre de ses propres fonctions? Je voudrais, Madame le témoin, vous lire le compte-rendu de l'interview qui a été faite par SOAS en juillet 2005. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. Monsieur le Président, il s'agit en Khmer de la page 4 du document D224.16. Et en Khmer, l'IRN est 00590191. En français, il s'agit de la page 2, IRN 00644742, et en anglais de la page 1, IRN 00089699. Avec votre autorisation, je voudrais qu'on puisse projeter ce document à l'écran. Donc voilà ce qui a été rapporté dans ce compte-rendu. Il est dit que vous auriez dit, je cite, « Lynn m'a menacé tous les jours, me demandant ce que Hunim m'avait dit. Quelle éducation Hunim m'avait donnée, me disant que j'étais impliqué dans les réponses. Je savais que si j'étais prise, je serais morte. En fait, Lin voulait que je me fasse arrêter pour se protéger lui-même, mais Pol Pot ne l'aurait pas permis. » Fin de citation. Est-ce que cela reflète bien les propos que vous avez tenus lors de cette première interview? Comment saviez-vous que si vous aviez été prise, comme le dit le document, vous seriez morte? Sur quels éléments vous vous basiez à l'époque pour savoir qu'être emmené, c'était mourir? Moultan,
tầng miền Tây cái lái nó thì cái lái ao tàu thơ sài sài đăng ký giờ tàu nào tiếp có kiểu mình đăng này Et qui vous a parlé de ces deux endroits, Talei et Stung Menche? Talei et Stung Menche. Merci. J'en viens à un autre sujet. Vous avez parlé du fait que Lin avait surtout travaillé avec Pol Pot, qu'il avait remplacé Pang à la tête du bureau 870. Est-ce que, à votre connaissance, Lin a-t-il aussi travaillé directement ou indirectement avec Nguyen Chia, c'est-à-dire à partir de 77-78, c'est-à-dire avant et après l'arrestation de Pang? Est-ce que vous avez des informations concernant ces relations de travail éventuelles avec Nguyen Chia? À l'époque du Cambodge démocratique, est-ce que vous saviez quelles étaient les fonctions de Nguyen Chia au sein des dirigeants du Cambodge démocratique? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avant avril 1975, Nguyen Chia avait animé des sessions de formation politique. Est-ce que après avril 1975 et jusqu'en 1979, vous avez revu Nguyen Chia? Objection, Your Honor. The witness told us this morning that. It's not a terribly controversial point, but it goes back to something my colleague was saying this morning about my colleague across the stage characterizing the evidence. The witness this morning said she attended a single political education course. She did not say that Nguyen Chia ran political education courses. So if the evidence could be given back to the witness as she presented it, then we wouldn't object. Monsieur le Président, je crois que là, il s'agit de jouer sur les mots. Si j'ai bon souvenir, Madame le témoin nous a dit que Nguyen Chia avait donné des formations, des sessions de formation politique. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel de la question. C'est la question de savoir si Madame le témoin aurait revu Nguyen Chia entre avril 1975 et janvier 1979. Merci bien, nous allons revenir à K3 dans un instant. Est-ce qu'à l'époque du Cambodge démocratique, vous saviez qui était Kang Gekiu alias Duch?
tập tại school nào năm cao sập bay bị môn mờ ở đại school thì merci. Sous le Kampuchea démocratique, selon vos connaissances de l'époque, qui était ce Vasi alias Deun? Est-ce que cette personne a été arrêtée à un moment ou à un autre sous le régime du Kampuchea démocratique? Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un passage de procès-verbal d'audition, Madame le témoin, qui porte toujours donc la cote E3/43. Il s'agit en khmer de la page 7, IRN 003572-23. En français, de la page 6, IRN 004-02-994 et en anglais page 7 00-36-56-62. Avec votre autorisation, si je peux également demander qu'on puisse projeter cette page à l'écran. Voilà, il y a une question qui vous a été posée par les enquêteurs des juges d'instruction, qui était la suivante. Avez-vous entendu parler du nommé Sir Vasi alias Deun? Et vous avez répondu, j'ai entendu parler du nommé Deun et de son arrestation également. Mais je ne savais pas si on a arrêté Deun avant ou après que Lin soit en charge de 870. Fin de citation. Comment avez-vous appris alors l'arrestation de Deun? Vous avez dit tout à l'heure que Lin vous avait emmené à K8, qu'il vous avait accompagné, je crois, ou emmené à K11. Qu'il était également allé à K7. Est-ce que Lin avait la possibilité de se déplacer librement dans Phnom Penh? Est-ce que vous avez appris si votre mari se rendait parfois au ministère des Affaires sociales ou au ministère des Affaires étrangères? Concernant Khieu Samphan, je voudrais lire un tout petit extrait du document SOAS D224.16
et ensuite demander alors au témoin si elle confirme ou si elle infirme ce qui a été dit. Monsieur le Président, il s'agit donc du document D224.16, en Khmer de la page 3, IRN 00-59-01-90. En français de la page 2, IRN 00-64-4742, et en anglais de la page 1, IRN 00-89-699. Et si on peut également projeter ce document à l'écran, Monsieur le Président. Donc voilà ce que vous aviez déclaré selon le rapport qui a été fait par l'organisation SOAS. Et je cite, Hem, c'est-à-dire Kyusampan, était un supérieur de Pang et Lin, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Durant le Cambodge démocratique, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan et où l'auriez-vous vu? Est-ce que c'était, vous avez tout à l'heure parlé du fait que vous aviez vu Nun Chia à 4-3 lors d'une formation, est-ce que c'était à la même occasion que vous aviez vu D'accord, mais est-ce que c'était à la même période, à la même date, que vous assistiez à une formation et vous l'auriez vu alors au repas, mais pas à la formation, mais le même jour? Concernant Pol Pot et le rôle de votre mari auprès de Pol Pot, vous avez dit donc qu'il était chargé de sa sécurité. Vous avez parlé d'autres personnes chargées de sécurité à K1. Je voudrais savoir si, concernant Khieu Samphan et Nun Chia, lorsque vous les avez vus, est-ce qu'ils avaient également leurs propres agents de sécurité? Est-ce que vous vous souvenez des noms des agents de sécurité de Khieu Samphan d'une part et de Nun Chia de l'autre? Vous avez parlé précédemment de K1 et de K3.
Que saviez-vous de cas 1 et de cas 3 à l'époque du régime du Cambodge démocratique? À quoi servaient ces bureaux? Et quand vous dites les oncles, est-ce que vous pourriez être plus précise et nous confirmer de quels oncles il s'agissait? Est-ce que vous êtes jamais entré à K1 ou alors est-ce que vous êtes rendu tout près de K1 de telle sorte que vous pouviez voir ce qui s'est passé? Quand vous cherchez des légumes, est-ce que vous étiez toujours sur le périmètre de K8? Vous nous avez dit tout à l'heure que K8 était proche de K1, est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Est-ce que d'après ce que vous avez observé de l'extérieur, est-ce que K1 était bien gardé? Vous avez dit avoir vu des femmes de dirigeants sur place. Quelles femmes de dirigeants avez-vous vu à K1? Pourriez-vous nous préciser les noms de l'épouse de Khieu Samphan et de Nun Chia, des deux épouses de Khieu Samphan et de Nun Chia? Merci. Et le nom de la femme de Nunchia, est-ce que vous vous en souvenez? Je crois que j'ai eu un petit problème d'interprétation. Je n'ai pas alors entendu le nom de la femme de Khieu Samphan. Est-ce que vous pourriez répéter son nom, s'il vous plaît? Ja, ប្រពន្ធអ៊ំខៀវសំផនឈ្មោះរិន.
Merci. Comment avez-vous pu reconnaître les épouses de Nunchia, de Kusampan, de Chim et de Tan? Si vous les avez reconnues, est-ce que cela veut dire que vous les aviez déjà vues auparavant? Est-ce que ces quatre femmes suivaient en général leur mari ou quand, lorsque vous les aviez vues en dehors de K1, est-ce qu'elles étaient là sans leur mari? Est-ce que vous auriez rencontré toutes ces femmes à K3 ou bien vous ne les avez pas vues sur place? Et lorsque vous êtes allé à K3 pour cette formation, est-ce que c'était avant ou après que vous les ayez vus à K1 lorsque vous récoltiez des légumes? Pourriez-vous nous dire sur quoi portait la journée de formation que vous avez suivie à K3? Tout à l'heure, d'après ce qui a été traduit en français, vous avez dit que vous êtes allé une fois à K3 pour y suivre une formation. Est-ce que vous revenez sur ce que vous avez dit ou est-ce que vous pouvez préciser si c'est bien cela que vous avez dit? Comment cela se fait que vous avez tout d'un coup eu l'autorisation d'aller à K3 pour visiter votre mari? Vous dites que vous n'y êtes allé qu'une seule fois. Est-ce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles qui ont fait que vous avez pu vous rendre à K3? Merci. Est-ce que vous pourriez décrire K3? Comment ça se présentait une fois que vous rentriez dedans? Qu'est-ce que vous voyez dans K3 lorsque vous étiez à l'intérieur? Dans le K3,
khơi ông quạt từ phía xã bài ai nhầm đầu đẹp xèn thì mình liền khơi như thế. Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments dans l'enceinte de K3 ou était-ce un seul bâtiment? Et juste au fin de précision, vous avez dit que vous avez vu les oncles manger ensemble. Est-ce que vous pourriez encore une fois préciser quelles étaient l'ensemble des personnes que vous avez vues manger ensemble et que vous appelez les oncles? Miền ông Pol Pot, ông Nuon Chia, ông Khieu Somphon, các hộp bài chung kia. Merci Madame le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions et je cèderai donc la parole aux avocats des parties civiles avec votre autorisation. Merci beaucoup. បាទអរគុណខ្ញុំបន្តអញ្ចឹងបន្តដល់ពិធីការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរដីដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចាងក្រុមនិងអង្គសំណាការទាំងមូលលោកមេធាវីឡៅជុនធីហើយនិងអេលីហ្សាបេតស៊ីមីណូហ្វនិងលោកសំណួរចំពោះសាក់សៃរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាត Bạn xung mặc quân chuyên bộ khi bạn lau chân thí chỉ mệt vì đam đằng rợt một đi hay cơ chỉ mệt vì một vì ông ca chung mới lại cho bạn mình cam chỉ bóng đá xung group ông chung rẽ xung group lục thiên xung group xã phi ta đó ở tin đi xung chỉ mệt xuống lục sợi nấm xám bạn nhôm miên sầm nô môi chấm nuốn là chỉ miệt xua từ lục sợi hạt ta ca bị lục sợi môn chín năm mà còn môn ở chợ sập ram nắng thà ban từ tiệt sanh cảnh nơi ai bỏ tê miên chấm nuốn bỏ tê đọc bầy hạt ta nơi pil đài từ tiệt sanh cảnh nơi tin nung miền bàn chuộc và chôm chỉ môi nâng bong ôn nị sật đại nơi tin nục đại ở thế cha ắt bàn và chôm thì bự ắt bàn và chôm thế ha sư thật ta miền bàn chuộc nên nạp xe như thế để bàn ở khăn ông dập đi lại đào tiết sản ác kịch từ tàm bà tên thì mùi nó mùi nắng. Từ sản ác kịch tên mùi mùi chụp tài tụt này tên này. Lục xây tha bàn chụp tụt nơi bà tê này mùi mùi thả ta ban chụp tụt nơi bà tê nà mùi đá. Chụp nơi bà tê ao xê rì. Nơi ao xê rì hay chân ban chụp ở bọn ông không ai nơi tin đại ở thế. Cha chuột khá đại.
nơi pin nút ban chu bomb of my nutino hay ta nè sợi ban nè dây tùm nè tùm nong chim mùi bụng quát bì rừng bay clan đấy ba dạ nhóm mặt ban nè dây ấy thơ ở quân ba nhóm ban sông miễn xua lục sợi thật lục sợi miên bong sợi mình nè để bàn thuê ca nơi khang sram bờ ta nơi khang sram bờ nâng đằng tha quạt thuê ca nơi lại cà rạ than ấy đáp ba cha ở school phong đằng tại sram bờ ờ bánh mính lưu lục sợi ban lực lang tha nơi co bầm bấy cứ miên ca đâm bẩn lại hay ban ban bẩn lại ban phò bẩn lại nắng ban vô từ lúa nơi tiệp xà nhưng trong đằng tha tá nơi nông sơ mai nút ban bẩn lợt tập phò nắng vô từ lúa nơi tiệp xà sự nghiệp bỏ tiền nắng lụa nơi cái lại nà đấy bạn chắc nhóm ở bàn school đấy bạn còn đăng thà bật lại nắng vô từ cái lại xa nắng đăng đầu trăng nát nhóm ở đăng này chứ đăng tiệt thà ta vừa tha đăng thật từ vô từ lụa cái lại nông cho bự lụa nó miên ca đỏ đô chìa lôi chìa cá rư mùi giang mạch đại bạc chắc nhóm ọt đăng đi đỏ đô biệt mà bạn ở cuốn cáp bị lục sợi ban từ tia sơn đã kẹt hói hay lục sợi ban vừa từ lọp màu vĩnh trôi từ Việt Nam tại mà đòn chân men đấy cha men thật ta nơi tin nút lục sợi ban thưa vậy đây khá nơi Việt Nam à nơi gần đây nó cứ thọt chim riêng xâm rạp sai tam vật chủ lục sợi ban thọt chùm riêng sự nghiệp sai nơi ta một chủ ta thọt nấng ban tràn bọt đá hay bọt để lực làng ông pi bạn đi vót rồi môi bọt lực làng ông pi vậy đấy bạn dạ bọt lực làng pi bạn đi vót nâng bọt lực tuổi thì phải chia chân dương chạm mặt bàn ở đây. Ở khốn cho lục sợi nơi tin lúc bàn thọt chùm riêng hay cây pi ca thọt chùm riêng nắng lục sợi miền bàn thừa vậy tiệt đến bàn cha ở miền vừa vậy thì tại khang sở lập bạc nâng chân nơi tin lúc nôn nà khá đa chìa nè ở an bò đầy miền sọc sái bà.
ពីនោះគឺអ្នកស្រីមានធ្លាប់បានស្ដាប់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជាដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចជាការអំពាវនាវផ្សេងៗដែលផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនឹងដែរអត់ទេបាទ ជាហត់ចាំនឹងជាបានឬផុតខ្ញុំភ្លេចហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមុនបែកឆ្នាំ 1675 គឺមុន 17 លោកស្រីដឹងថាតើនៅក្នុងវិទ្យុនឹងមានអ្នកដែលនិពន្ធដូចជាបទចម្រៀងបាញ់មិញហើយនឹងអ្នកដែលសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានានឹងតើនរណាដែរបាទចា៎អ្នកនិពន្ធចម្រៀងនឹងខ្ញុំចាំតែ សៅនឹងមួយហើយបាត់និពន្ធផ្សេងផ្សេងនោះមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំចាំអត់មានឈ្មោះវីឈ្មោះខុនខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជិននៅពេលដែល លោកស្រីនៅថាថានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1975ស្រីថាអញ្ជើញមកពីវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញតើការអញ្ជើញមកពីវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញហ្នឹងមកជាមួយអ្នកណាខ្លះដែរបាទកាលមកហ្នឹងខ្ញុំ មកទៀតអ្នកក្រុមសិល្បៈដែលទៅកន្លែងនោះនិងក្រុមការងារទាំងអស់នៅទីនោះមកវិញទាំងអស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលអញ្ជើញមកជាមួយលោកស្រីនឹងអាចស្គាល់នរណាខ្លះទេបាទក្រៅពីក្រុមសិល្បៈ ឧទាហរណ៍ថាក្រុមសិល្បៈស្គាល់ប្រមាណនេះហើយមេដឹកនាំនៃក្រុមនឹងស្គាល់ដែរអត់បាត់ក្រៅពីក្រុមសិល្បៈមានតែលោកមីលោកខុននិងអ៊ំអៀងធីរិតត្រឡប់មកវិញ ហើយនឹងស៊ូបាទអរគុណខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅខាងនៅក្រសួងឃោសនាការដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការមួយរយៈនៅទីនោះតើ នៅក្រសួងឃោសនាការនឹងលោកស្រីទទួលមុខងារការងារអ្វីខ្លះនៅទីនោះបាទ
khiêm ắt miên tụt chỉ một nghề ấy thế còn tiền nè chăm tài tự thọt chỉ mà riêng hay nâng tự an rồi miên khác là tại sao mà mình miên tu này tì ấy thông đồng được. Chưa chấm bù đã ở vây đã lục sợi bàn an bò miên nắng và ta miên chập rắm lơ bò miên nắng miên khâm xa sầm khăn ở vây khá đại ở tiết mà chấm đôi chim bàn chập rắm về an đằng ta an giang nhưng mình sâu chạy ở xó ăn mình sâu đạch đài chứ ta nơi nơi tin lúc miền nè ăn còn miền phần màn nè đây nơi tin lúc miền nè ăn còn miền bông lái miền su đài cày mỏ miền một xuống một xây hay lúc pro nhầm mặt trắng ta lúc xây đằng thà nơi cửa xuống khu sơn ca ní miền nhà cột cồn hay miền rạch nhà sầm pon cột cồn nưng miền giang đồi mình đặt lại bạn dạ nhầm hạt sầu vô rồi đó bạn ở cún nhôm chọn đằng thà nơi pil để lục sợi chôn mặt đỏ lồng pin thà bàn sáng kết khơi nơi lồng pin nắng miền sập hiệp giang mạch đại bạc chôn mặt đỏ bóng mình miền chia ai u o thì miền cái sập hiệp ngọc ngạn này mình khởi miền chia chân ấy thế chấn môn năng lực xây bàn vừa từ lọp màu miệt tổ bờ tế vĩnh ta lực xây bàn đăng tha miền ca chấm liệt và chia chân tranh vì phong bình đại ở thế bạn cha ban đăng khắc khắc đại lưu tha chấm liệt chia chun chân ở tận đầu cào hay su thật ta ban đăng bị ca chấm liệt này về chia chun chánh thật ta đăng tam là dạ ca sập sai vị chúc ru muôi đăng tam nẹ na prap rư môi ta một chỗ bài ấy xe anh bạn. Đăng chi tu tư mà nè đặc nuông prap nè
អ្នកដឹកនាំប្រាប់បាននេថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិទ្យុនៅហាណូយឬមួយនៅណាបាទ ចាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហាណូយបានសេចក្តីថាដឹងនៃការជំនះនឹងដឹងមុនពេលនៃការជំនះនៅក្នុងថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ឬមួយដឹងក្រោយនឹងបាទ đăng cài khi ông sống xua tại mùi sầm nô đi sầm nô tiên mùi sầm nô ní cứ khi em chọn chìm hiệp xua thà ba nhà ha đài kê chập lục hù nấm hỏi ở đây lục sầy đài chùm một linh nấm chết tay mà chết xua lục sầy thật ta bên nung lin quạt miên bà rom bị rương ấy bàn thì quạt chết tay mà chết xua bị lục sầy thật ta miên ca bẹp con chỉ môi nâng lục sáu nâng lục hù nấm bàn bằng hạt bằng riêng lục sầy giang được chưa đấy thật ta lin nâng គាត់បារម្ភពីអីបាទចាពេលនោះខ្ញុំមិនយល់ពីចិត្តគាត់ដែរដឹងពីគាត់បារម្ភខ្លាចជាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាគាត់ចេះតែទៅសួរខ្ញុំអរគុណចុះដល់ពេលដែលក្រោយមកនេះក្រោយមកបានន័យថាបែកឆ្នាំ 79 ហើយគាត់ដែលរំលឹកពីរឿងនឹងដែរអត់ទេបាទចាក្រោយពី 79 មកគាត់ជួបខ្ញុំគាត់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេញពីភ្នំពេញទេច្បាស់ជាជាប់ខ្សែរយៈមែនតើ mùi sầm nô tiết cứ đòi xa hết ở với ban chia lục sợi ban cà ruột phớt bì cà để đây lục sợi thà chọn và chun lục sợi từ phần tái miên cà on đặc cốm pi bột bột nhưng chọn đằng thà tá lục sợi ban squall lục bột bột nâng tăng pi pi nam ở ban chia quạt ban on đặc cốm chạy ខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ទេបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅសហមេធាវីអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីបាទ គុណលោកនេះដល់ពេលសំឡងសម្រាប់ហើយមិនប្រកាសសម្រាប់នៅពេលនាទីចាប់ពី2នាទីទៅរហូតដល់ម៉ោង3បាទ5នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដនការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅទប់រងចាំសម្រាប់តាក់ស្អីនឹងអ្នកជំនាញដល់សាក់ស្អីនៅក្នុងម្លងពេលហើយជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់កិច្ចកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សំណការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 5កំណត់